Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti à la suite de la précédente où on avait trouvé le loup cendré. Et voici les loups des bois qui sont juste à côté du village. Je me doutais un petit peu que de toute façon on allait en trouver. Allez, ah non, il veut pas. Et toi? Oui. Allez, on va se faire des amis là quand même. Et bien sûr, allez, un petit dernier, mais j'y crois pas trop. Hey, viens là. Eh ben si. Allez, hop, voilà. Trois nouveaux loups apprivoisés. Et qu'on va se faire tout de suite se reproduire de manière à en avoir quatre. Et ben voilà. Les loups des bois, donc le loup des bois, le premier des loups que j'avais récupéré, que j'avais réussi à apprivoiser dans la précédente vidéo, et ben c'est fait. Nous voilà donc avec deux espèces de loups. Dans ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, on va dire, la dernière partie, j'avais réussi aussi à retrouver le loup pâle, donc le loup un petit peu classique, le blanc. Mais je ne sais plus dans quel environnement, dans quel biome il vit. Là, ici, je savais que j'allais trouver le loup des bois. Donc c'est fait. Hop, on refait le plein. Parce que là, maintenant, il va falloir faire évoluer le village. Et pour cela, il va falloir trouver des ressources. Hop, c'est reparti. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été assez rapide. Je pensais pas trouver aussi facilement une deuxième espèce, mais bon, l'emplacement était le bon. Et vous pouvez voir que le village a évolué avec d'un côté des champs, un petit peu d'élevage pour la nourriture et le cuir. Et bien entendu, des golems qui vont se caler là-dedans, comme à chaque fois. Je me tâte pour faire de l'élevage de poules, parce que ça rapporte quand même pas mal de points d'expérience assez facilement. Et surtout, ça permet de se débarrasser de toutes ces graines. Hop, de blé qu'on va amasser au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors là, on va pouvoir remettre. On va essayer de voir, tiens, si en positionnant comme ça un peu plus bas. Ça leur fait toujours plaisir. Mais je vais en garder quand même un petit peu. Alors toi, voilà, c'est beaucoup mieux qu'avant. J'ai trouvé un petit peu de cuivre, un petit peu de fer aussi. Et il va falloir qu'on y retourne. Mais ça, je pense que je vais pas vous l'imposer, la petite descente. Voilà, là l'idée c'était juste de faire venir et de récupérer une seconde espèce de loup qui donc vient de ce biome, le biome des bois, tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à repartir dans d'autres contrées, d'autres biomes, pour retrouver une troisième espèce de loup. Et ça sera certainement pour un prochain épisode. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il va falloir que je fasse un
vraiment évolué le village. Je manque cruellement de personnages, hop, de paysans, pas de paysans, pardon, de... qu'est-ce que je voulais dire? Alors, 1, 2, 3. Non, 2, ça suffira. De villageois, voilà, de villageois qui puissent me fournir en équipement. Ça, je garde en permanence. Pour l'instant, pas besoin d'échanger ici. La bibliothèque, ça sera intéressant qu'à partir du moment où j'aurai des diamants pour une table d'enchantement. Pour l'instant, on n'en voit pas trop l'utilité. Hein. Là, par contre, vous devinez ce que je vais faire. C'est 8 ou 9, je ne sais plus le four. C'est 8. Hop. Allez, allez. Voilà. On met ça à cramer. Ici, le haut fourneau. Et on va aller le positionner là-bas avec l'autre. Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre des vitres ici. Où sont-elles? J'en ai plus. Ok. Et ben on va pas mettre des vitres. On va faire différemment. On va mettre des barreaux. Non, pas des barreaux de fer. Des barreaux en mode barrière. Voilà, tout simplement. Hop. Bien, mais je vous laisse là. Je vais pas faire durer plus longtemps la vidéo. On se retrouve dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a de l'évolution dans le village, dès que j'aurai réussi à choper ce chat derrière lequel j'ai couru tout à l'heure. J'ai réussi à le nourrir deux fois et il n'a pas voulu devenir mon ami. Oh là, je l'ai raté de près. Il passe entre les jambes en plus. Il est parti où? Là-bas. Allez, un deuxième chat. Ça serait sympa. Pour agrémenter la meute. Purée. Eh ben, il m'a bouffé mon poisson, mais il n'est pas devenu mon ami. Allez, tant pis. À bientôt.